Samy Canaan, quel est ce projet Labo Cité? Alors, on profite de l'occasion, en quelque sorte, puisqu'on doit rénover la bibliothèque de la Cité, qui est actuellement fermée à part la salle de presse. Et du coup, on s'est dit, c'est l'occasion de proposer à la fois à notre personnel et aux usagers un espace expérimental sur tout ce qui est le numérique dans le domaine de la bibliothèque. C'est-à-dire que quand on pense bibliothèque, on pense livre, papier. Et les gens restent attachés, heureusement, aux livres en papier, aux documents écrits, aux magazines en papier. Mais il est vrai que le numérique prend la place. Les gens achètent des liseuses maintenant, achètent leurs livres sur Internet, utilisent Google et Wikipédia. On s'est dit, c'est l'occasion de proposer un espace vraiment expérimental avec des ordinateurs, des tablettes, des applications pour comprendre comment ça fonctionne, se faire une idée. Florent Dufault, qu'est-ce qu'on va trouver ici pour les adultes par exemple? Alors on va trouver une offre de ressources numériques qui va correspondre en grande partie à ce qu'on pouvait trouver dans une bibliothèque avec des livres et des journaux en papier. Donc notamment pour tout ce qui est presse, on va pouvoir venir télécharger une application sur son propre téléphone ou sa tablette, et puis pouvoir télécharger un journal du jour et repartir avec pour le lire chez soi. On va aussi trouver des ressources en musique, on va aussi trouver des archives de presse pour pouvoir faire une recherche par exemple, et à terme aussi du livre numérique. On va aussi pouvoir trouver des sites pour de la formation, donc en informatique avec des modules de formation sur différents logiciels en vidéo pour pouvoir découvrir ou approfondir un logiciel ou l'autre, une langue aussi avec des méthodes de langue, enfin voilà, toutes des propositions qu'on peut trouver dans les bibliothèques ou qu'on trouve encore dans les bibliothèques d'ailleurs, hein, dans des livres, dans des CD ou des DVD qu'on va maintenant commencer à trouver en numérique. Vous avez aussi à disposition du public des tablettes numériques et des ordinateurs dans cette salle. Voilà, donc effectivement pour les gens qui ne seraient pas équipés ou qui n'auraient pas avec eux leur matériel, ils peuvent effectivement utiliser des postes informatiques pour de la bureautique ou aller sur le web. Ils peuvent aussi emprunter des tablettes, donc soit des iPads ou des tablettes Android, et puis des liseuses, donc des appareils de lecture de livres numériques. Les plus jeunes n'ont pas été oubliés non plus. Bien sûr, c'est un des publics importants pour les bibliothèques municipales. Donc on propose aussi des tablettes qui sont spécialement préparées, configurées pour les plus jeunes, avec des sélections d'applications de livres numériques jeunesse que les bibliothécaires ont sélectionnées, préparées et se réjouissent de montrer aux plus jeunes et à leurs parents certainement aussi pour découvrir tout ça. Ce projet, c'est aussi une collaboration avec les hautes écoles à Genève. Oui, alors effectivement, nous avons fait appel à la HED pour nous imaginer la scénographie. Deux filières de la HED, la filière architecture d'intérieur et la filière graphisme, qui nous a aidé à faire ce lieu et puis à l'embellir, mais pas que, puisque la filière graphiste a imaginé aussi au niveau virtuel certains éléments que je demande aux usagers de venir découvrir. Hein.